Nous avons avec nous un spécialiste, c'est Jean-Marie Lacleftine, qui est auteur, auteur notamment de ce livre qui s'appelle « Au pays des fainéants sublimes ». Je me suis un peu retrouvé là-dedans. De qui s'agit-il? Ce ne sont pas les rois, ce ne sont pas les rois. Non, ce sont les Tourangeaux, enfin les riverains de la Loire, d'après Balzac. Balzac les apprenait comme ça, les appelait comme ça, les fainéants sublimes. Il comparait les bords de Loire à la Turquie. Il y a quelque chose d'émollient qui rend... qui ouvre au plaisir divers, à tous les plaisirs du corps et de l'esprit. Et avec ton ami photographe Chapin, tu as repris un digest, on va dire, un résumé de ces textes dans un livre de photos, de photographies que vous avez fait ensemble. C'est un livre de voyage en Touraine, avec Jean-Luc Chapin qui a fait les photographies. On avait fait ensemble auparavant un livre qui s'appelait La Loire, 1000 km de bonheur, justement, où on avait fait une descente de la Source à l'Embouchure. Là, ça me parle. Là, dès qu'on est à table, ça me cause, hein, Jean-Pierre. Ils savent manger, les Tourangeaux, quand même. Ils savent boire. Oui, avec modération, c'est ça que tu voulais dire. Ah, bah, évidemment. Bon, alors, bien sûr. C'est pour ça qu'il a mis ses lunettes rouges. Ouais. Hein, c'est en l'honneur du Cabernet Franc que l'on trouve jusqu'en Anjou, hein, bien entendu, tous les bords de cette Loire.